je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je relève le drap. Ça va, t'es bien là? Oui, oui, t'occupe pas de moi, chante. Excusez-moi, hein. Pardon, on peut relancer la musique. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Ne fais pas trop de gestes. Ne fais pas trop de gestes. Mais ça va, tu vas pas parler pendant que je chante non plus. Mais je parle pas. Je dis juste ne fais pas trop de gestes. Je voulais te le dire tout à l'heure à la répétition, mais comme tu avais le trac, j'ai pas voulu en rajouter. T'as pas voulu en rajouter? Un chanteur, ça doit être sobre. Sois sobre. Tu fais ça, là, tes bras. En plus, t'as des bras de singe. C'est d'un ridicule. Je dis ça, c'est pas pour moi, Kamel, hein. C'est toi qui chantes. C'est toi qui chantes. Je sais. Bon. T'as pris des épaules. Quoi, j'ai pris des épaules, c'est ça? Depuis quand? Depuis lundi. Bon, écoute, Anita, si tu me poses cette question pour que je te dise que j'ai mis des épaulettes dans mon costume, eh ben oui, je te le dis, j'ai mis des épaulettes dans mon costume. Voilà, t'es contente? Et tu sais ce qui peut arriver avec les épaulettes? On en a déjà parlé. Oui. Tu te rappelles? Que ça peut bloquer les vertèbres cervicales, je sais. Oui, surtout les C3 et C4. Oh, ben, tu m'en veux pas, maintenant faut que je chante. Tu sais où elles sont, tes C3 et C4? Oui, je sais où elles sont. Alors regarde, voilà, oh, ça fait un frottement et ça détruit tout doucement la moelle épinière. Comme... Bon, écoute, Anita, je vais mourir! Et j'aurais fait exprès. Oh. Si demain tu lis dans les journaux un chanteur se suicide en mettant des épaulettes dans son costume, eh ben tu sauras que c'est moi. Oh, ben le prends pas sur ce ton. Je suis ta collègue, on travaille ensemble. J'ai quand même le droit de te dire en tête à tête de faire attention avec tes épaulettes. Mais on n'est pas en tête à tête. Je suis désolée. Oui. Chante, Kamel. Elle est très belle, ta veste. Merci. Oui. Mais déboutonne-la, c'est mieux. Bon, tu... Ouais. Tu dois pas te... préparé pour le numéro suivant, non? T'occupe pas de moi, chante. Bon. Stop! Reboutonne! C'est moi qui me suis trompée, ça va pas du tout, ça fait tout débrailler. Comment est-ce que tu veux faire rêver les gens si tu ressembles à un clown? Parce que moi, je dis pas ça pour toi, Kamel, hein? Mais tu ressembles à un clown. Sympa, merci. Oh, puis cette chanson, c'est d'un kitsch, qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'est juste la plus grande chanson de Frank Sinatra et de Claude François, My Way. My way. My way, oui, comme d'habitude. Redis-moi les paroles du début pour voir. Je me lève, je te bouscule, voilà. Tu l'as bousculé après? Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et pourquoi tu la bouscules si elle veut pas se réveiller? Tu peux pas te le faire tout seul, ton café? Les droits de la femme, ni pute ni soumise, ça te dit rien? Espèce de misogyne. Comme d'habitude. Islamiste. Toute la journée. Je vais jouer, voilà, sombre, soit à faire semblant. Voilà, c'est bien. Comme d'habitude. Ah non, là, c'était pas juste. Je vais sourire comme d'habitude. Oh, je vais même rire comme d'habitude. Enfin, je vais dire comme d'habitude. Sobre, hein? Merci. Pas trop de gestes. Non, il faut juste ce qu'il faut. Apprends, mon petit Kamel, apprends. Oui. Enfin, je te signale quand même qu'au départ, ça devait être une chanson solo. Ah, mais moi, j'ai rien contre les solos. Si c'est moi qui chante.
Ah d'accord, ok, parce qu'elle a un traitement de faveur, Anita Covelli, c'est ça? Ah non, c'est pas Anita Covelli, c'est Anita Covelli, avec deux L, c'est un nom italien. Excuse-moi, mais ça a quand même une autre classe que Zidouri. Pourquoi? Non mais franchement, Zidouri, vous trouvez pas que ça fait un petit peu personnage de bande dessinée? Les aventures de Zidouri! Oh bah ça va maintenant, Anita, enfin! C'est limite désagréable maintenant, mais tout le monde se fout de ma gueule, enfin j'ai l'impression, non? Mais oui, bah non. Regardez! Oh, mais non, enfin moi si on peut... Non, mais enfin, je suis... Moi j'avais répété, c'était un moment d'émotion, oh, je voulais chanter, c'était... Mais si on peut même plus rigoler! Bah oui, mais enfin... Mais... Oh là là, il est susceptible! Bah oui, mais enfin Daniel, là. Je sais pas... Je sais pas... Mais tu te mouilles pas, toi, hein? En tout cas, bon, il va falloir discuter avec Laurent, parce que bon, ça peut pas le faire, ça. Bah non, c'est pas possible, enfin. Non, écoute. Mais pourquoi t'as pas voulu me laisser chanter? Parce qu'il y a un truc que t'as pas compris. Oui, c'est que les grandes chansons mythiques comme oui. ça, c'est pas pour toi. Mais pourquoi? Parce que tu les chantes mal. Ah, c'est pour ça, mais en oui. fait.